Et coucou, c'est reparti pour un nouvel épisode. On a passé toute la journée en fait à pétaler sous une chaleur monumentale de 40 degrés. Donc vraiment c'était l'enfer, c'était le four littéralement. Et là ce soir on dort chez des gens. Bon, du coup on va changer, on va aller sous le vent parce qu'il y a l'air d'avoir de l'orage. Et comme on a sorti la tente moustiquaire, on va éviter de prendre la pluie quand même. Et comme ils ont un vent, on va dormir là-dessous avec la tente moustiquaire, mais ça va pas changer grand-chose, sinon qu'on sera au sec. Et ça, on aime bien. Ah, on aime ça. On aime ça. On prend la vache. Avec celle-dessus. Ouais. Attrape ça en même temps. Ça te va ou ça te va pas? C'est tellement chaud. Ouais, tu m'étonnes. Ah, parce que c'est bête, mais à chaque fois dans le fourri, on dit voilà, on a été hébergé chez quelqu'un et tout, c'est trop bien. Et finalement, on parle jamais des. On prend pas le temps de fourrir. Mais ouais. Et là, c'est le grand syndic. Ah ouais, de ouf, là, c'est le luxe. C'est parti des nuits de luxe. Hôtel 4 étoiles. Hein. Tu as raison. Voilà, Juju qui nous prépare une petite plancha. On va bien manger ce soir. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Bon courage à vous. Et puis on se tient au courant. Ben c'est ça. Je ne savais pas. On vous encourage. Allez, salut. Joyce. Allez, bisous. Ciao. Ciao. Bon, là on vient de faire. On est à 20 km de Cap-Breton et on est crevé parce que il fait 38 degrés et c'est encore en train de monter, ça doit monter jusqu'à 40. Il est à peine 15 heures là et on fait que suer, franchement c'est l'enfer. Le vent qui d'habitude rafraîchit, ben là il est chaud, même le goudron renvoie de la chaleur, donc c'est assez difficile. On va essayer d'arriver jusqu'à Léon qui a encore 10 km et on va s'arrêter parce que on perd tout notre eau, qu'on a déjà bu plus de 3 litres et demi à deux, donc voilà. Aujourd'hui, c'est difficile. Alors, zop, on met de l'huile pour culturiste. Franchement, je suis quelqu'un qui transpire pas du tout. Mais là, laisse tomber. Genre, je sue, mais de partout, alors que je fais rien. Tu brilles des mille feux. Bon, ça fait plusieurs jours que tu nous suis à traverser la forêt des Landes. Franchement, c'est un réel plaisir. Il y a une piste cyclable géniale et cette forêt, elle est juste immense. Elle fait à peu près 1 million d'hectares, ce qui est incroyable. C'est la forêt la plus grande d'Europe, mais une forêt artificielle. En fait, il y a quelques siècles, cet environnement-là ne ressemblait pas du tout à ça. C'était des marécages et d'ailleurs, les bergers, ils utilisaient des échasses pour pouvoir traverser les marécages. Et au 19e siècle, le pouvoir politique en place pour les besoins de la révolution industrielle a décidé d'assécher ces marécages en plantant des pins
Ça permettait à la fois de créer une production importante de bois et de sève de pin et de fixer les dunes le long de la côte atlantique. Et du coup, ça a détruit complètement la culture locale et ça a recréé par contre une industrie du bois qui n'existait pas. Et voilà, donc il faut imaginer qu'à l'époque c'était complètement différent. Nous, on a un peu du mal à l'imaginer parce qu'on voit que des pins. Et voilà, c'est assez étrange de se dire qu'il y a 200 ans, cette région ne ressemblait pas du tout à ça. En parcourant cette forêt, comme elle est industrialisée et utilisée soit pour leur bois, soit pour la papeterie, soit pour faire des planches, en fait elle est divisée en parcelles. Et on se retrouve avec parfois en pleine forêt une parcelle qui est complètement rasée. Par exemple là sur la droite on a encore de la forêt qui a peut-être 100 ou 200 ans d'âge. Et juste après on a une parcelle qui a été coupée il y a 3 ans. Et puis encore sur la gauche on va avoir une parcelle qui a été coupée il y a 10 ans, donc les arbres sont un peu plus hauts. Donc on a vraiment des tailles d'arbres différents en fonction de la dernière fois où ils ont été utilisés. C'est assez bizarre pour une forêt. Au carrefour des forêts des Landes et de l'océan Atlantique, nous atteignons enfin Bordeaux. Citadins et touristes se confondent sur les quais, qui longent le fleuve pour profiter d'un simple moment de détente. Sur le miroir d'eau, une scène magique se joue. Quand cette pièce ne reflète pas la place de la Bourse, un mince rideau de brouillard s'élève. Elle devient alors un véritable terrain de jeu pour les plus jeunes et une source de rafraîchissement pour les autres. À peine arrivé que nous repartons déjà. Nous embarquons dans le ferry, direction Royan. Nous profitons de l'air marin car, même si la traversée fut courte, nous avions l'impression d'être loin, très loin. Le cri des mouettes nous ramène à la réalité. Ce soir, nous sommes accueillis par Oriane et Xavier, mais il nous reste encore quelques kilomètres à parcourir. Apparemment, ils voudraient nous faire découvrir un lieu plein d'histoire. Là juste derrière, on a l'estuaire de la Gironde, donc on est vraiment à l'entrée, on a la porte d'entrée juste devant nous. Stratégiquement parlant, c'était intéressant d'implanter une église à flanc de falaise. On surveillait, on voyait les pirates, il y avait quand même pas mal de mouvements de côte et puis d'assaut. Hein. Les Anglais sont venus quand même nous rendre visite à plusieurs reprises. Et puis on était dans un pays quand même assez mouvementé avec un conflit protestant-catholique très très violent. Et du coup, ils décident d'ériger ce bâtiment-là au 11e siècle. Mais on va aller voir ça après, je pense. Alors, petite anecdote sympa, ouais. C'est que Comte de Village était très connu aussi pour son activité portuaire. Ouais. Les bateaux se déchargeaient de leur lest avant de repartir pour partir plus léger. Et ça explique pourquoi on a des murs et des bâtiments qui sont composés de pierres complètement disparates. Là, il y a un silex, il y a des silex qui sont inclus et mélangés à la pierre calcaire. Et c'est ce qu'on appelle le lest. Qui permettait de faire le poids des bateaux. D'accord, ok. C'est marrant ça. Il y a beaucoup de figures un peu des diables, des monstres, beaucoup de bestioles, des figures humaines qui font des grimaces, tout ça pour prévenir le... Juste pour faire peur aux paysans, pour ne pas pêcher, il ne faut pas pêcher, ne commettre d'impair et être très pieux et aller à l'église, suivre la bonne parole.
ça arrive un jour, hein. J'ai mon pneu qui a crevé. Et pourtant, ce pneu, il est réputé pour être increvable. Bon. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est ça, ça crève. Ouais. Vous avez ce qu'il faut ? Normalement. Après, il t'en faut un deuxième. Ah bon ? Bon, à moins que le pneu il était assoupli, mais. Il n'y a pas de deuxième. C'est pas grave. Merci, Jean, sympa. Bonjour, il reste là. Ouais. Non, elle n'a pas compris parce que à l'époque, on a acheté, il y en avait 4. Ouais, c'est 24 et on a enlevé le pas, quoi. En tout cas, merci beaucoup. Sur une autre route. C'est ça. Oui. Au revoir. Du coup, je vais enfin utiliser cette fameuse colle qu'on n'avait pas. Et qui aujourd'hui nous sert bien. Mais finalement, même pas pour, pour une chambre à air, mais pour le pneu. On a un trou dans le pneu. Voilà. On met ça. Alors cette roue, je... Galère. Je pense qu'on se rapproche des 4 barres. Comment c'est ? Alors on repart ? Ouais, on repart, c'est bon. Allez, zoom. En fait, tout à l'heure, je sentais absolument tout. Tu disais que c'était bizarre. Ouais, le son était plus dur. Ouais, je sentais tous les galets. Cette fois-ci, c'est notre amie Marine qui nous accueille dans son fief. Le vieux port a fière allure avec ses compagnons de bois. Devant les murailles de pierre, nous trouvons un énorme globe terrestre. La France paraît minuscule sur cette terre gigantesque. Et nous prenons conscience des kilomètres qui nous restent à parcourir sur nos petits vélos. À l'intérieur, les friches industrielles se sont transformées en œuvres d'art sous les bombes des graffeurs. Leurs peintures aux mille couleurs ont imprégné l'identité de la cité, à tel point que cet espace leur est désormais entièrement dédié. Un à un, les bateaux rentrent s'abriter sous le regard bienveillant des deux tours médiévales. Le port s'endort. À la tombée de la nuit, un détour à la Guignette est un passage obligatoire. Il paraîtrait qu'à La Rochelle, les grandes aventures commencent toujours par là. Première saucée et là on a un énorme grain qui s'annonce. Toute la nuit il doit pleuvoir, donc faut absolument qu'on trouve un endroit où se reposer là. Donc j'espère qu'on va trouver avant qu'on prenne une grosse averse ou voir un orage. Bon voilà, on est en train de camper là. Et on a un énorme orage qui est en train d'arriver. Donc il n'est pas encore sur nous, là, il est sur la mer. Mais s'il tombe sur nous, on va passer une bonne nuit.
entendre là sur la route. Mais là, on arrive dans quelques minutes à Nantes et ça va être trop cool parce qu'on va pouvoir se reposer. Ben c'est ici que prend fin cet épisode. Là, on est à Nantes, donc du coup, on va se reposer pendant quelques jours. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo et puis à t'abonner pour suivre le reste de nos aventures. Allez, on se retrouve !